à l'époque qu'elle serait si intéressante d'abord et ensuite que je présiderais ce jury. Alors, comme le veut l'usage à Paris 1, je vais commencer par donner la parole à votre directeur de thèse, puis vous prendrez la parole pour nous exposer un petit peu votre sujet, mais vous savez, nous ne sommes pas dans une thèse scientifique, c'est-à-dire qu'en droit, ce sont les membres de jury qui volent la vedette aux candidats. C'est un peu différent dans d'autres disciplines. Ensuite, les rapporteurs pourront vous faire part. En fait, non, madame la rapporteure pourra vous faire part de ses observations. Puis, les deux assesseurs sont à ma gauche. Et je finirai en tant que rapporteur et président du jury. Voilà comment se déroulera cette soutenance. La parole est donc à votre directeur de thèse. Merci, chère présidente. Je suis évidemment heureux d'ouvrir ainsi la première partie de cette soutenance en raison de ma position de directeur de votre thèse. C'est une position qui m'enlève voix délibérative dans ce jury, mais qui ne me rend pas muet pour autant. Et les mots que je dirai seront probablement un peu moins scientifiques que ceux qui seront prononcés par les membres de ce jury, et peut-être plus dans l'ordre du symbole. Pour les aspects scientifiques, vous avez quatre experts hyper spécialistes de plusieurs points que vous avez distinctement traités. Pour ma part, ce que je peux apporter à ce jury, c'est le regard du directeur de thèse sur le processus qui a conduit à cette soutenance aujourd'hui et sur le candidat de façon à insister sur un contexte avant que mes collègues ne travaillent quant à eux sur le texte. Alors probablement le qualificatif qui lui convient le mieux aujourd'hui est celui d'atypique. De formation non juridique, mais provenant de nos toutes meilleures écoles de commerce françaises, il s'est frotté au droit à travers la pratique, dans le cadre d'une activité de consultant qu'il a conduit, avec un double intérêt pour la dimension économique et juridique, puisque à la tête d'une entreprise de management de transition en rapport avec les opérations de fusion-acquisition. Vous, monsieur Giaoui, avez accumulé une expérience qui vous a mis en contact avec les problèmes juridiques et le monde juridique en général. Bardé de cette expérience et constatant le caractère peu satisfaisant des opérations d'évaluation de préjudice en cas de violation d'accord entre vos clients et des tiers, vous avez souhaité apporter votre lumière et le faire sur un terrain non pas purement économique, mais plutôt dans le cadre d'une thèse de doctorat en droit,
sur un terrain juridique, de façon à utiliser ce levier du droit pour améliorer, si c'est possible, un système que vous jugiez très imparfait, en raison d'un règne de ce qui vous est apparu être comme celui d'un certain arbitraire dans le calcul des dommages et intérêts. Alors évidemment, à candidat atypique, maïeutique, atypique, de nombreux travaux de juristes existent sur le principe de la réparation intégrale, sur les hypothèses de cantonnement de ce principe, mais finalement, rares sont ceux qui mettent les mains dans le cambouis, si vous me passez cette expression, en menant des études jurisprudentielles quantitatives et en proposant des modèles alternatifs fondés sur des données chiffrées et mathématiquement organisées. Ayant reçu mon feu vert pour vous lancer dans cette aventure, un feu vert que je vous ai donné sur la foi de votre expérience et de votre curiosité intellectuelle, telle qu'elle apparaissait dans le cadre des entretiens que nous avons pu avoir initialement, j'ai vu alors se dérouler sous mes yeux, progressivement, les raisonnements qui vous ont conduit au résultat qui nous réunit aujourd'hui. Comparaison de l'indemnisation dans la démarche américaine par rapport à la démarche française en droit des affaires. Intérêt pour le facteur de complexité ajouté par l'internationalisation des situations. Et enfin, modélisation des solutions proposées de façon à atténuer le caractère aléatoire, voire arbitraire, de la réparation. Sur les deux premiers points, comparaison et internationalisation, le défi à relever pour vous était un défi méthodologique. Vous deviez faire un travail académique dans le cadre d'une thèse de doctorat, un travail académique de juriste, alors que seul, pour l'or, un travail pratique de juriste vous donnait un titre à intervenir en la matière. Alors le jury vous dira ce qu'il pense du résultat, mais il me revient de souligner à ce stade l'ampleur des efforts que vous avez fournis, des efforts orientés vers une sorte de naturalisation. Vous avez dû vous faire naturaliser juriste, vous qui étiez d'origine économique ou gestionnaire. Juriste, au surplus, doté d'une casquette de comparatiste à coloration internationaliste. Et, soit dit en passant, ce n'est pas la casquette la plus facile à décrocher parmi les casquettes de juriste. Alors, sur le troisième point, la fameuse modélisation, le défi que vous avez eu à relever était exactement inverse. Vous deviez naturaliser vos lecteurs juristes, pour en faire des gestionnaires, de façon à leur faire pratiquer des techniques quantitatives, alors qu'ils n'y sont pas naturellement accoutumés,
par leur formation juridique. Un long séjour de recherche à Columbia Law vous a permis de mieux consolider à la fois vos connaissances du droit américain et les modèles du secteur de Law and Economics. Et à nouveau, il reviendra à votre jury de dire si, et le cas échéant dans quelle mesure, le résultat est convaincant. Mais quant à moi, je souhaitais souligner les exigences que vous vous êtes imposées pour parvenir à ces résultats, les vertiges qui, par moments, ont été les vôtres. J'ai été témoin de certains. J'imagine assez facilement d'autres. Je dois mentionner aussi le courage que vous avez eu d'affronter ces vertiges en sacrifiant de longues plages de temps que vous auriez normalement consacrées au travail pratique auquel vous étiez accoutumé, plus rassurant et certainement plus rémunérateur. En définitive, je suis heureux de vous voir arriver aujourd'hui au terme de ce processus atypique, certain que votre travail présente d'ailleurs d'autres qualités que celles d'être atypique, et à cet égard, il n'y a pas de meilleur moyen de le savoir que pour vous de subir l'épreuve du feu. C'est pourquoi je rends la parole à notre présidente de façon à ce qu'elle déclare cette épreuve ouverte. Je déclare l'épreuve ouverte et je vous donne immédiatement cette parole qui vient de m'être restituée. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Professeur. Je crois que j'ai une introduction brève. Je vais essayer de tenir dans les temps, on m'a dit 7 minutes, entre 7 et 10 minutes. L'idée m'est venue d'un échec professionnel, ce qui justifie ce que j'ai indiqué en couverture de la version électronique que je vous ai envoyée, à savoir que l'échec est un des piliers de la réussite, me semble-t-il. C'est un proverbe chinois qui date de plusieurs millénaires, donc je n'en suis pas l'auteur. Il s'agit effectivement d'une expérience que j'ai vécue il y a exactement 10 ans en fait, d'un client que j'avais conseillé. On avait travaillé pendant une année entière. Nous avions établi une exclusivité avec un investisseur. Cet investisseur avait signé l'engagement d'investir plusieurs millions d'euros et, sous des prétextes totalement fallacieux, n'avait pas tenu son engagement. Les conséquences était évidemment prévisible. La société que je conseillais étant une start-up n'a pas eu les moyens de continuer, donc elle a dû déposer son bilan. Et accessoirement, moi j'ai travaillé un an sans être rémunéré, pratiquement pas. Et j'ai eu l'occasion de constater que le droit français, puisque nous avions entamé une procédure de concert, mon client et moi, en première instance, en appel et jusqu'en cours de cassation, le droit français ne nous donnait pas raison. Autrement dit, on nous a indemnisé des quelques 10 000 euros de frais d'avocat à l'époque. C'est-à-dire ce qui correspond à la reliance, en fait, en termes anglais, ce qui correspond simplement à la perte subie et pas vraiment au gain manqué, tout simplement parce que le gain manqué était simplement un gain possible. C'est juste un business plan. Et cette chose m'avait paru tellement certainement légal, mais tellement injuste que je me suis senti de chercher d'autres références. Effectivement, le réflexe a été d'aller voir le droit américain, et puis ensuite l'idée d'une thèse. Mais pourquoi l'idée d'une thèse ? Bon, c'est vrai qu'au départ c'était plutôt un défi intellectuel, mais très vite j'ai vu la possibilité d'avoir une influence, certes modeste, mais positive, sur l'amélioration du droit en France, de l'intérieur.
effectivement, il y a beaucoup de critiques qui peuvent se faire de l'extérieur, et certaines des personnes que j'ai rencontrées n'en manquent pas, notamment du point de vue économique. Mais je croyais et je pense toujours que c'est beaucoup plus efficace de faire des propositions de l'intérieur. Donc voilà comment le sujet est arrivé. Bien sûr, monsieur le professeur Varry-Sommière a bien mentionné le côté atypique. Je crois que l'originalité tient non seulement au sujet, mais aussi à sa méthodologie, donc la méthodologie comparatiste. On mêle des sources académiques, normatives, jurisprudentielles, comme dans n'importe quel autre travail de ce type. Mais j'ai également mené des entretiens de terrain avec des praticiens, qui peuvent être souvent des avocats, parfois des juges, des experts. Une analyse empirique quantitative, comme ça vient d'être souligné, une analyse empirique qui vient issue de plusieurs centaines de cas, également certains cas issus de ma pratique professionnelle, donc certains qui sont détaillés dans le texte. Alors évidemment, on parlait d'atypique, sujet atypique, méthode un petit peu atypique, encore que ce sont des méthodes très très courantes ailleurs, peut-être pas trop encore en France, pas trop encore en tout cas en thèse de droit en France, mais quand il s'agit de faire de la recherche en law and economics, les méthodes empiriques sont très très courantes ailleurs, et aux États-Unis notamment. Et les difficultés sont le miroir de cette originalité, notamment l'accès aux données. En fait, toutes les personnes que j'avais rencontrées, à quelques rares exceptions près, m'ont dit « tu vas te casser les dents ». Parce que l'information n'est pas disponible. Dans la jurisprudence, l'information n'est pas disponible. Le quantum est rarement documenté. Et en plus, même s'il est documenté, il est rarement expliqué. Donc, tu cours un petit peu à ta perte. Et j'ai pensé effectivement que ça allait être compliqué, mais ça n'avait pas suffi pour me décourager. Cela dit, en effet, la prévision était juste. Il y a peu de jurisprudence utilisant des quantums publiés. Déjà, on va commencer par Unidroit et CVIM, peu de jurisprudence tout court. Donc là, c'est vrai qu'il fallait broder autour d'interprétations doctrinales plus que beaucoup de quantitatifs. La jurisprudence non publiée en arbitrage du commerce international, donc ça, tout le monde le sait. Et quand la jurisprudence est publiée, donc en droit français et en droit américain, le quantum est mal renseigné, ou peu expliqué, peu documenté. Donc cette difficulté, il a fallu la compenser, alors peut-être qu'on reviendra en détail sur la méthodologie, je vais être très court, il a fallu la compenser par la quantité. Quand on n'a pas énormément d'informations, il faut en collecter plus pour espérer, par le tamis, en avoir un certain nombre. On abordera certainement d'autres difficultés méthodologiques plus tard. Il y a également le parti pris qui a été de compléter mon idée initiale entre la comparaison entre la France et les États-Unis, la common law américaine. Et là, clairement, mon directeur de thèse, le professeur Varry-Sommière, est clairement à l'origine de cette référence, au principe unidroit, à la CVIM, que je ne connaissais pas personnellement, mais qui apporte une troisième référence comme outil d'harmonisation internationale. Ça n'est pas tout à fait la même chose que de faire une thèse de droit comparé avec trois systèmes juridiques homogènes. Par exemple, le droit anglais. On aurait pu se référer au droit anglais ou au droit allemand, qui sont beaucoup plus documentés. Donc, c'est un certain nombre de limites qui sont imposées concernant ma thèse. Donc, elle n'est pas du tout légitime en droit anglais ou en droit européen, par exemple. En relisant l'ensemble des 600 pages, je trouve bien de référence. Je crois que j'ai une jurisprudence citée, parce qu'elle est tellement importante, du 19e siècle du droit anglais, deux mentions au principe de droit européen des contrats. Mais franchement, je ne m'aventurerai pas sur ces sujets. Je sais que dans le jury, il y a beaucoup d'experts en la matière. Donc, je ne pourrais pas tirer de conclusion en dehors de ces deux domaines, ces deux systèmes juridiques et de cette troisième référence de droit d'harmonisation internationale. De même, d'ailleurs, que je n'ai pas la prétention de tirer des conclusions sur l'ensemble du droit des contrats. Le titre est assez long, peut-être un peu rébarbatif. On me dit qu'il y a des sujets de thèse qui sont peut-être plus avenants que
un titre en trois parties. Mais voilà, c'est l'indemnisation du préjudice économique en cas d'inexécution contractuelle. C'est une étude comparative, on vient d'aborder le sujet, et c'est une application à des cas où la quantification du préjudice et donc son indemnisation est difficile, voire inexistante. On parle bien de l'indemnisation et pas de la quantification du préjudice, c'est pas un travail économique à proprement parler, c'est un travail de droit. Donc il y aura d'autres limites que l'on abordera certainement, et je voudrais terminer, je crois qu'il est encore temps, j'espère que Madame la Présidente, vous m'accorderez ces trois notes plus personnelles. C'est effectivement un travail très personnel, on l'a suffisamment souligné, mais à aucun moment je n'ai considéré que c'était un travail solitaire. D'abord parce que depuis le début, j'ai été accompagné par mon directeur de thèse qui a utilisé le terme de « vous aurez à remonter le courant ». Ben, il a remonté le courant avec moi d'une certaine manière parce qu'il a partagé le risque d'un profil atypique et je l'en suis très reconnaissant. Ce n'était pas non plus un travail solitaire, car beaucoup de personnes m'ont aidé, même s'ils m'ont averti sur les difficultés, même si parfois ils m'ont dit « ça ne marchera pas », leur regard a été extrêmement précieux, que ce soit des professeurs, que ce soit des praticiens, que ce soit des étudiants, que ce soit des assistants de recherche. Certains sont ici présents et je voudrais également les remercier. Deuxième note personnelle, vous avez pu comprendre que je n'en suis pas tout à fait à ma première épreuve ni à mon premier examen. Pourtant, je peux vous dire que je me sens exactement comme à mon premier examen. Ça ne se voit peut-être pas tout à fait, mais ça, c'est un peu l'habitude. Mais intérieurement, c'est tout à fait le cas. Et une troisième chose, monsieur le professeur Véret-Sommière, vous venez de me souffler la troisième note personnelle. Quand j'arrivais sur la place du Panthéon pour soutenir cette thèse, j'ai vu la photo de Simone Veil et de son époux à l'entrée du Panthéon. Elle vient d'être, bien sûr, acceptée au Panthéon avec son époux. C'est une démarche exceptionnelle. Et vous avez utilisé le terme de naturalisé juriste. Il se trouve que la personne qui a signé mon décret de naturalisation, puisque je suis venu tunisien en France, et 10 ans après, j'ai été naturalisé, c'est Simone Veil. Donc voilà, je suis particulièrement ému de faire ça aujourd'hui, place du Panthéon. Merci. Vraiment, là, on va rentrer dans le vif du sujet avec les questions des membres de ce jury. Je voudrais d'abord vous dire que votre thèse m'a beaucoup intéressée. Le sujet en soi, nous en avions parlé lorsque vous m'avez remis votre manuscrit, est tout à fait intéressant. Et donc, ça a été une lecture stimulante pour un juriste pas toujours très habitué à lire des travaux, et notamment d'analyse économique du droit. Je ne suis pas spécialiste d'analyse économique du droit, et c'est vrai que là, vous en faites une utilisation assez poussée. Donc, je voudrais vous féliciter pour pour tout ce parcours que votre directeur de thèse a rappelé, que vous venez d'exprimer vous-même. Donc, je voudrais vous féliciter pour ce travail qui a dû être une épreuve. En tous les cas, c'est un travail qui mérite de donner lieu à soutenance aujourd'hui. Donc, c'était une lecture tout à fait stimulante, comme je l'avais déjà indiqué dans le pré-rapport. Et surtout, avec une analyse assez original. Votre directeur de thèse a déjà utilisé le terme de atypique. Je crois que je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce point. C'est une thèse assez atypique. Donc alors la question qui se pose est de savoir comment aborde-t-on cette thèse atypique. Est-ce que je garde le regard d'une professeure lisant une thèse en droit français avec les exigences qui correspondent, ou est-ce qu'il faut adopter un autre regard? Je pense qu'il faut adopter un peu l'autre regard et donc voir cette thèse à la façon dont elle a été conçue et rédigée, donc de manière un petit peu atypique. Alors, l'appareil scientifique que vous utilisez est tout à fait impressionnant, vous avez beaucoup lu, ça c'est tout à fait incontestable, tant en droit français qu'en droit américain et en droit du commerce international. Avec la plupart des grands auteurs, donc là je n'ai pas relevé vraiment de grands manques.
Et puis, vous allez directement aux sources, sans faire de référence. Enfin, vous avez des sources de première main, ce qui est tout à fait à souligner aussi. Alors, sur la construction, sur la structure. Donc, vous me l'avez dit d'ailleurs lorsque nous nous sommes rencontrés. Attention, c'est une thèse en trois parties. Je vous ai dit, en soi, c'est pas un problème. Il y a beaucoup de thèses en trois parties. Le caractère atypique vient pas seulement de ça, parce que ça, en soi, c'est pas vraiment un inconvénient. Mais il est vrai qu'ensuite, la construction à l'intérieur des parties, elle est. Alors, j'ai indiqué dans mon pré-rapport qu'elle est un peu peut-être à l'anglo-saxonne, parce que c'est vrai que dans le milieu universitaire français, académique français, on a l'habitude de forger plus de catégories, à essayer de construire des catégories, à les organiser. Et ici, vous préférez une approche un peu plus linéaire que la construction structurée, enfin de catégories. Donc par exemple, vous avez 6 sections et ensuite à chaque fois de plusieurs sections dans chaque chapitre. C'est vrai que si on... Voilà, à la française, on se dit, mais ces 6 sections, elles auraient sans doute pu être regroupées deux par deux et essayer de trouver un point commun pour essayer de construire des divisions. Votre approche a été différente, c'est une approche, plus dès qu'il y a un point abordé, on va l'aborder. Pour un juriste français, ça peut paraître un petit peu surprenant, mais en soi, c'est un choix, et ce choix-là, pourquoi pas, ça, je ne le conteste pas. Alors, je vous l'ai dit aussi dans le pré-rapport, quelques intitulés aussi pourraient être améliorés parce qu'ils ne retranscrivent pas forcément ce que vous allez dire ou alors ils correspondent à des propos que vous aviez avant. Par exemple, le titre 1, donc comme je vous l'ai dit, dans la section 1 du chapitre 20 de la troisième partie. Voilà, alors maintenant je voudrais discuter plus du fond, c'est ça qui nous intéresse. En essayant de comprendre un petit peu avec vous ce que vous cherchez à démontrer dans votre thèse. Donc ce que vous cherchez à démontrer en réalité, puisque vous n'êtes pas d'accord, pas vraiment avec le principe, mais avec la façon dont est appliqué le principe de réparation intégrale, votre proposition, c'est de dire qu'il faut suivre des barèmes, d'essayer de trouver des barèmes pour guider le juge qui est bien mal équipé pour essayer d'évaluer le préjudice issu donc d'une rupture, d'une négociation contractuelle. Donc ce que vous voulez dire en fait, c'est que toute la question de la réparation qui va du principe de réparation jusqu'à l'évaluation du dommage relève du domaine du droit, et comme il s'agit de n'appliquer que des principes juridiques, cela doit aussi être couvert par le contrôle de la Cour de cassation. Et là, j'avoue que parfois, j'ai du mal à tout à fait être d'accord avec vous, parce qu'il me semble qu'il y a toujours un moment où le droit ne peut plus répondre à la question de la réparation et qu'il faut se fier tout simplement à des rapports d'experts dont le problème est qu'ils peuvent se contredire en fonction de par qui notamment ils ont été sollicités. Donc, dans quelle mesure est-ce que vous voyez la question ultime dans tout processus de réparation comme réellement une question juridique qui du coup peut être contrôlée? C'est la grosse question. On va directement au vif du sujet, là, vous aussi. Merci pour cette question. Alors, ma proposition essentielle, ce ne sont pas les barèmes. Ma proposition essentielle, c'est effectivement ce que vous venez d'indiquer, c'est-à-dire que la réparation intégrale et tout ce qui s'ensuit devrait être également une question de droit. Je vais m'expliquer. Le principe de la réparation intégrale, tout le monde le comprend conceptuellement, et d'ailleurs il est fait référence à peu près dans tous les droits, mais il est vraiment pas codifié dans le droit français. Et d'ailleurs même la réforme du droit des contrats entrée en vigueur en octobre 2016
Le terme de réparation intégrale, je n'ai pas réussi à le trouver dans aucun article. Il est fait référence aux pertes subies, aux gains manqués, même si on peut compenser des préjudices non matériels, mais le terme lui-même de réparation intégrale reste un terme de doctrine. Il n'est donc pas expliqué. Ça, c'est une première difficulté que l'on trouve dans notre droit, certes, hein, je ne dis pas que le droit français est particulièrement en retard là-dessus, mais dans d'autres droits, on trouve aussi des explications un peu plus précises, et notamment dans le droit américain. Je répète, ça n'est pas le summum de la comparaison, mais au moins dans le droit américain, on fait référence à une méthode qui est ce qu'elle est, c'est expectation damages. Expectation damages, ça veut dire que on répare pas simplement le préjudice subi, parce que le titre du nouveau droit, du nouveau code civil nouveau, on parle de réparation du préjudice suite à une exécution contraire. L'expectation damages, c'est pas simplement la réparation du préjudice, c'est aussi la compensation de la prestation non exécutée pour remettre la partie dans la situation où elle aurait été si effectivement le contrat avait été exécuté. Or, et pourtant le droit français ne manque pas de commentaires là-dessus, je lis l'article 118 du projet Terré qui est un petit peu à l'origine de la réforme. Les dommages intérêts sont en règle générale d'un montant qui place le créancier dans la situation où il se trouverait si le contrat avait été dûment exécuté. Pourquoi ne retrouve-t-on pas ça, pourtant une phrase pas encore trop économique, pourquoi ne le retrouve-t-on pas dans la réforme récente? Donc, ce que je veux dire avant de passer au barème, c'est que la réparation intégrale n'est pas définie. C'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que même si elle était définie, il faut encore rentrer dans des méthodes. Et là, même le droit américain n'est pas suffisant, parce qu'on parle d'expectation damages, dans lequel on dit expectation damages, c'est effectivement ce à quoi on devait s'attendre dans la livraison du produit, par exemple. Et puis, si le créancier a été obligé de se retourner sur le marché, il va pouvoir demander l'écart de prix. Bon, ça, c'est très très bien expliqué dans le second restatement, je vais peut-être les citer d'ailleurs, comme ça on aura tous la même référence. C'est pas nécessaire forcément. C'est pas nécessaire, mais je l'ai sous les yeux, hein, donc on pourra y revenir peut-être le moment venu. Mais même le droit américain ne définit pas quelle est la méthode à utiliser quand il n'y a pas de marché. Donc très bien, quand il y a un prix de marché, on va faire l'écart entre le prix du contrat et le prix du marché. Ça, c'est facile. Mais vous avez bien noté que ma thèse ne porte pas sur tous ces cas. Elle porte sur tous les cas sur lesquels il est difficile de quantifier le préjudice. Et donc on arrive au barème seulement en bout de course, d'une certaine manière. Ce n'est pas la seule recommandation que je porte. Je ne sais pas si ma réponse est trop longue, ou si déjà vous voulez qu'on fasse un échange sur ce point-là. Vous ne répondez pas tout à fait à ma question de savoir à quel point l'aspect évaluation peut être en fait tout simplement sujet à des règles de droit. Parce que c'est ça la question. Oui, tout à fait. Je pense que les méthodes peuvent être sujettes à des questions de droit. Et il y a des éléments pratiques. J'ai déjà apporté des éléments pratiques. Vous parlez des experts. C'est très bien d'avoir recours à des experts, encore faut-il savoir les guider. Quand on questionne les experts, ils disent, parce qu'effectivement on voit très bien l'expert d'une partie, l'expert d'une autre partie arrive à des écarts énormes, je ne suis pas sûr que ça aide beaucoup le juge, hein, quand on arrive à un écart de 1 à, dans mon expérience personnelle, de 1 à 7. C'est d'ailleurs un cas qui est cité, entre 5 et 35 millions d'euros. Alors je ne sais pas, moi si je suis juge, je suis un petit peu perdu. C'est tout simplement la conséquence qu'on n'a pas donné aux experts les éléments de méthodologie, les éléments d'hypothèse qui n'ont rien d'économique. Ce sont des éléments d'hypothèse juridiques. Que va-t-on réparer? Est-ce qu'on va réparer effectivement la perte subie ou le gain manqué? Est-ce qu'on va inclure la perte de chance ou est-ce qu'on va l'exclure? Est-ce qu'on va inclure le préjudice immatériel comme on est censé le faire et sous quelle forme? Tout ça, ça devrait être des questions de droit. Et si le juge
n'a pas les outils pour pouvoir fixer la méthodologie à l'expert, ben forcément, on s'expose à des écarts importants. Voilà, déjà simplement sur la partie juridique de l'expertise. D'accord. Est-ce que... parce que... Alors, c'est sûr, le principe, il est conçu de manière assez générale, mais ce n'est pas non plus propre au droit français. Enfin, je ne connais pas tous les autres droits, mais bon, c'est tout de même assez répandu. En tout cas, en droit international, ce n'est pas non plus beaucoup plus défini. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas une difficulté que finalement, vous n'abordez pas énormément sur l'aspect prévisibilité du dommage et que c'est ça la difficulté dans la réparation du dommage contractuel en principe. C'est une règle que l'on ne répare que le dommage prévisible. Et la prévisibilité, c'est tout simplement quelque chose qui ne peut pas être codifié en quelque sorte, ne peut pas être réglementé plus que par l'appréciation au cas par cas qui, effectivement, laisse une certaine place à la subjectivité de la personne qui va prendre la décision. Mais je ne suis pas tout à fait convaincue que l'ajout de règles de droit sur l'appréciation de la prévisibilité soit un avantage, enfin, comble toutes les défaillances que vous voyez dans le système. Alors, si vous cherchez à me faire dire qu'on ne peut pas tout codifier, je suis totalement d'accord. J'interprète un petit peu. Je suis totalement d'accord. Mais je pense qu'entre la situation actuelle, qui est un flou total sur la réparation intégrale, on reprend l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, jusqu'à tout codifier, effectivement, tout mettre en équation. D'ailleurs, les équations que j'ai développées, elles ne sont pas intégrées dans ma thèse parce que ça fera l'objet d'autres recherches. Non, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit. Mais je pense qu'il y a quand même des progrès, des aménagements tout à fait raisonnables. Vous parlez de la prévisibilité. Il se trouve que le nouvel article 1195 laisse une place importante, effectivement, à l'imprévision. Et là, on a effectivement une situation dans laquelle, ou l'exécution forcée aussi, dans laquelle on dit quand la situation économique, et on fait référence surtout à des contrats à exécution successive, c'est quand la situation économique a évolué de manière telle que le coût est disproportionné par rapport au bénéfice, eh bien les parties se rapprochent. C'est tout à fait positif. Encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on appelle disproportion. Donc on est... toujours, enfin moi en tout cas personnellement, je reste un petit peu sur ma faim, sur les éléments d'application pratique pour un juge, ne serait-ce que pour un juge qui, par ailleurs, n'a pas de formation économique, peut-être qu'on y reviendra, c'est un autre sujet. Oui, ça c'est une autre vaste question que vous posez. Finalement, là, les choses ne pourraient changer qu'en modifiant la culture un peu des juges. Là c'est tout un travail, mais... Enfin, on abordera peut-être la question une autre fois. Juste encore deux petites questions. Je ne voudrais pas épuiser mon temps. Concernant alors, l'aspect commerce international de la thèse, donc vous appuyez sur la CVIM et les principes du droit. Vous écartez tout à fait le droit international privé au sens strict, c'est-à-dire... règles de conflit de loi, quelle loi pourrait régir ces contrats internationaux, puisque vous nous parlez essentiellement des contrats internationaux. Donc c'est un choix qui est fait, mais vous ne nous dites pas vraiment pourquoi vous écartez cet aspect-là de votre travail. Ça, c'est une première petite question. Et alors, une deuxième question, un petit peu plus technique. Puisque, selon vous, le droit français n'est pas... n'est pas du tout satisfaisant sur le principe de la réparation du dommage contractuel ou précontractuel, mais que d'autres droits sont tout de même, vous semblent meilleurs. Que pensez-vous de la proposition de certains auteurs qui consiste à diviser la loi applicable à la réparation? D'une part, pour le principe d'une réparation contractuelle, on peut appliquer par exemple la loi du contrat. Mais pour ce qui est de l'évaluation vraiment du dommage, on peut appliquer une autre règle de conflit et donc désigner une autre loi que la loi qui aurait déterminé le principe de la réparation contractuelle. Donc je me suis dit que peut-être c'est une approche
qui aurait pu vous servir dans votre thèse, dans la mesure où, en fonction des liens qui pourraient exister entre le contrat et les États-Unis, mais qui pourraient faire en sorte que la loi américaine qui nous convient plus puisse s'appliquer plus fréquemment à la question de la réparation. Donc pourquoi vous n'y avez pas pensé ? Alors, effectivement, je pense que c'est... Il y a deux questions. Hein. Vous parlez du droit international, est-ce que j'aborde le droit international privé ? Et ensuite, la proposition de séparer les deux. Je vais essayer de répondre en prenant un exemple concret et qui va aller tout à fait dans votre sens. Mitigated damages, donc la minimisation du dommage, qui d'ailleurs a été proposée dans tous les pré-rapports et qui n'a pas été retenue dans la réforme de 2016, on a tout à fait l'application possible. On sait que la jurisprudence l'utilise largement. Et par exemple, c'est un principe qui est accepté dans UniDroit. Donc on pourrait tout à fait utiliser la méthode que vous proposez en disant « Très bien, ce contrat est de droit français. Théoriquement, on n'est pas obligé d'appliquer le principe de la minimisation. Et pourtant, c'est un principe couramment accepté par, on va dire, les pratiques du marché, la lex mercatum. Et à ce moment-là, on peut l'appliquer. Je suis tout à fait favorable à une utilisation de ce type de référence internationale. » Et ça reprend votre première question. C'est une des raisons pour lesquelles, en discutant avec mon directeur de thèse, nous avons choisi de prendre ces outils d'harmonisation, UniDroit, qui est plutôt un outil, on va dire, de soft law, et la CVIM, qui, elle, a quand même un pouvoir plus important, puisqu'elle a été ratifiée par un grand nombre d'États. Donc, on a un exemple d'application de ce que vous dites là. Oui, mais ça, le juge français ou le juge national, alors il y a certains juges étrangers qui parfois sont allés jusqu'à appliquer ou à citer les principes du droit dans leur décision, mais le juge français... Le juge français est plus contraint. Donc moi, mon idée, c'était quand même d'avoir deux règles de conflit, enfin mon idée, disons l'idée que je... C'était d'avoir deux règles de conflit distinctes qui permettent de séparer la question de la réparation en deux... En deux temps, d'abord le principe, c'est gouverné par tel droit, et de me dire que peut-être les principes du droit pourraient être appliqués. Alors c'est vrai pour l'arbitrage, l'arbitre aurait cette liberté, mais le juge national, il est en principe contraint par la loi nationale qu'il doit appliquer. Et donc effectivement, je n'ai pas été jusqu'à proposer ces choses-là. Alors je reviens vraiment à mon sujet, il est à la fois plus modeste, mais en même temps plus pointu. Je ne me penche pas du tout sur les règles de procédure, ou vraiment de manière très très allusive, donc je ne me sens pas légitime à répondre sur la procédure. Je sais, comme vous le mentionnez, que l'arbitre dans le commerce international a tout à fait la possibilité de séparer. Je crois qu'il y a un terme d'ailleurs assez technique qui est utilisé pour... Le dépeçage. Oui, enfin c'est j'ai oublié le terme, bref. Donc pour séparer effectivement le droit, la décision sur le droit applicable du calcul du préjudice, donc je ne vais pas jusqu'à proposer ça pour le droit français. Je pense par exemple, il y a une proposition que je fais en fin de thèse qui peut-être se rapprocherait de cela, c'est la création d'une instance spécifique sur ce type de préjudice, notamment quand le préjudice est important, qui soit à la fois plus ouverte que la procédure en référé, mais en même temps plus rapide que la procédure classique avec des appels au tribunal de commerce et cours d'appel. Et là, on rejoint un petit peu, c'est pas tout à fait la même chose, mais on rejoint un petit peu la procédure en arbitrage qui est, comme on le sait, simplement... La bifurcation. Voilà, c'est le terme de bifurcation que je cherchais, effectivement. On rejoint là le principe, effectivement, en arbitrage de commerce international où on a un tribunal ou un arbitre et puis la décision s'impose aux parties. D'accord. Juste dernière petite mention, c'est pas vraiment une question, mais justement, vous venez de citer l'arbitrage commercial international, mais vous, parfois, vous utilisez des sentences CIRDI. J'ai vu ça, oui. Alors que, justement, le système du CIRDI se distingue de l'arbitrage commercial international. C'est... En termes de procédure. Mais pas que de procédure, justement. Parce que l'arbitrage CIRDI est forcément, notamment, gouverné par le droit international, article 42 de la Convention de Washington. Et il y a toujours un État qui est parti. Donc les sentences CIRDI ne sont pas considérées par à peu près tout le monde comme des sentences d'arbitrage commercial international. C'est du domaine de l'investissement qui précisément s'oppose au domaine commercial. Donc là, il y aurait, enfin,
on pourrait penser qu'il y a juste une petite incohérence. Alors, je réponds, même si ce n'est pas une question, une observation, je réponds, parce que vous avez pris la peine de l'écrire dans votre pré-rapport, c'est l'une des limitations de la méthodologie. C'est-à-dire que j'ai choisi d'aborder le droit international, notamment, mais pas uniquement, sous forme de l'arbitrage de commerce international, mais on sait que les sentences ne sont pas publiques pour la plupart, enfin certaines j'ai eu accès, mais elles n'ont pas vocation à être publiques. Et donc, j'ai cherché au plus proche. La procédure n'est pas la même, le droit applicable n'est pas le même, mais les méthodes d'évaluation, quand il s'agit d'un préjudice économique, sont tout à fait similaires. Et là, j'ai fait l'hypothèse, mais ce n'est pas une hypothèse que je fais seul, il y a énormément de docteurs de doctrine qui ont fait cette hypothèse, Gotanda notamment aux États-Unis, ont démontré que les méthodes évoluaient de manière parallèle. Pas sur les mêmes quantums, parce qu'effectivement, quand il s'agit d'investissement, en général, le quantum peut être beaucoup plus important, mais l'évolution des quantums, les méthodes d'évaluation, et notamment l'utilisation de la méthode DCF, ou d'une manière générale de toutes les méthodes en référence à des flux prospectifs, on voit que ce sont des méthodes qui s'infiltrent de la même manière en arbitrage de commerce qu'en arbitrage d'investissement. Ok, je vous suis, mais du coup, vous auriez... J'aurais dû le préciser. Et j'ai du mal, en fait, à faire plus long que ce titre. C'est vraiment l'indemnisation du préjudice. Non, mais pas dans le titre. Mais lorsque, la première fois que vous citez la sentence civile, vous savez que ce n'est pas du commerce international, mais les méthodes d'évaluation sont communes aux deux types d'arbitrage, et donc vous les utilisez. Absolument. Il y a une section dans laquelle j'aborde plus en détail les sentences, et c'est une analyse qui vient de Ernst Jung, hein, donc je suis tout à fait libre de la citer, et dans laquelle je cite eux-mêmes, enfin la phrase qu'ils citent eux-mêmes, dans laquelle ils disent « Nous avons fait l'hypothèse que les méthodes évoluaient de la même manière, et donc on peut en tirer des conclusions également sur l'arbitrage de commerce. » Je l'aborde peut-être un peu trop tard. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Géali, moi aussi j'ai beaucoup de plaisir à lire votre thèse, vous rencontrer et lire votre thèse. Et je suis absolument ravie d'avoir l'occasion aujourd'hui d'en discuter plus longuement avec vous et de manière plus approfondie. Le droit est une science sociale, donc à l'aborder le droit en le confrontant à l'activité économique fait miroiter toute la splendeur du droit. Donc, les juristes ne peuvent que ravis d'une thèse de cette nature. Travail courageux, parce que quand on vous dit il n'y a même pas les données, alors qu'en droit d'habitude il y a des bibliothèques entières, on vous dit il n'y aura rien. Alors là vraiment il faut vraiment être très courageux pour s'attaquer à un problème pareil. Travail très personnel aussi, je crois qu'en vous lisant on découvre aussi une personnalité, on vous sent derrière la plume. Vous nous expliquez finalement la généalogie de votre sujet. À titre personnel, j'aurais aimé que vous en disiez plus, vous expliquiez voilà, avec plus de détails sur ce cas qui a suggéré le sujet. Et c'est absolument passionnant d'entendre que c'est finalement une frustration qui vous a donné envie d'aboutir à ce travail, une envie aussi, une volonté de faire changer les choses, parce que chercheur, mais pourquoi ? Chercheur pour faire changer les choses, voilà qui donne un horizon, disons, à cette activité académique qu'on peut parfois imaginer trop en chambre. Alors, vous vous lancez dans ce travail de déterminer une méthode plus objective, plus juste aussi, pour indemniser donc, les victimes de préjudices économiques, et qui permettrait donc, de transformer une question que vous décrivez comme étant une question trop souvent de fait en question de droit, une question qui serait soumise à contrôle. On comprend que le contrôle est quelque chose qui vous semble important. Alors c'est un travail de droit comparé, tout travail de droit comparé est bien sûr difficile, parce que maîtriser un système juridique est ardu, en maîtriser plus d'un est plus difficile, il me semble cependant que votre travail c'est vraiment une étude de droit français à la lumière du droit étranger, peut-être plus qu'un travail véritablement purement comparatiste. Travail empirique également. Alors on pourrait dire finalement tout travail de droit, thèse juridique est nécessairement empirique. Si on ne fait pas de la philosophie du droit, on regarde les décisions, on regarde la jurisprudence. Mais je crois que ce qui fait la spécificité de votre travail, c'est la tentative d'avoir une systématisation dans cette approche empirique. Hein, donc on n'est pas du domaine de l'intuition ou de l'illustration, mais voilà, partir des faits pour de manière systématique essayer
de décrire quel est le réel et en tirer des conséquences. D'où cet effort de recension qui, je dois dire, est vraiment intéressant, via des mots-clés dans un corpus qu'on sait immense, où voilà, arriver à sortir 30, pour chaque fois, 30 cas pertinents, c'est vraiment un travail tout à fait utile et qui pourrait être répliqué par, dont la méthodologie mériterait d'être répliquée. Alors, et sur la forme, je dois dire aussi, encore une fois, comme je vous le disais, qu'il y a un style. On sent le style du candidat, un style clair, un style assuré, vous n'avez pas peur, on vous voit avancer. Voilà, c'est quand même un peu, j'imagine un peu un Saint-Cyrien, un sabre clair, ça avance, on ne s'embarrasse pas nécessairement de détails qui ne sont pas importants au moment là pour exposer son point. Donc ça, c'est très séduisant pour un lecteur. Ça peut aussi être un peu frustrant de temps en temps parce qu'on se dit que tel point mériterait d'être peut-être un peu explicité, un peu nuancé. Je viens maintenant justement aux nuances peut-être qu'on aurait pu apporter ou aux éléments peut-être qui auraient été plus ciselés. Je vais vous faire quelques remarques sur la forme, la structure et la méthode avant d'en venir aux questions elles-mêmes. La toute première, qui est un peu anecdotique, mais je m'en voudrais de ne pas la poser, a trait à l'introduction, qui est peut-être, mais ça ma collègue l'a dit, peut-être plus un résumé qu'une introduction telle qu'on peut l'imaginer, comme quelque chose qui prend par la main et va amener le lecteur vers la lecture de la thèse. Donc dans cette introduction, vous faites référence à Holmes et la théorie du bad man, l'homme traduit par anormal, en tout cas l'homme mauvais, préoccupé par les seules conséquences matérielles que la connaissance du droit lui permettrait de prédire. Et je me suis demandé, puisque vous faites un travail qui est centré essentiellement sur le droit des entreprises, hein, je pense que c'est quand même le sujet de droit que vous avez à l'esprit, si c'était des bad people, ou si, voilà, si les solutions que vous proposez, elles sont pour des bad people, ou si c'était pour des good people, mais qui peuvent, tout en étant des gens qui se perçoivent comme moraux, faire des mauvaises choses. Et la raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est parce qu'il y a actuellement tout un courant dans les études juridiques qui justement s'interroge sur les personnes, hein, quelle est la personnalité, hein, quelle est la psychologie des personnes pour lesquelles on doit faire du droit. Et puisque vous faites un droit clairement empirique, il me semble qu'il est nécessaire de se poser cette question-là. Alors, are you regulating for good people or for bad people? Est-ce que je peux vous répondre à côté de la plaque? Je ne me suis pas posé cette question. Est-ce que vous pensez que c'est une question qu'il faut se poser? C'est une question, en tout cas, que vous vous posez, puisque je sais que vous avez beaucoup écrit sur ce sujet. Hein. J'ai eu le temps de regarder notamment l'analyse comportementale du droit manifeste pour un nouveau champ de recherche en Europe. Et je ne vous cache pas que c'est l'un des deux sujets que j'envisage pour la suite. Et vous avez mentionné l'autre, d'ailleurs. À aucun moment, je ne prétends faire une thèse de sociologie ou même d'analyse comportementale, pas seulement d'ailleurs des parties, des juges, parce qu'il y a une manière d'interpréter, et on va prendre des exemples, hein, ça sera plus simple, d'interpréter la décision du juge aussi par sa psychologie, par son parcours personnel. Et l'autre, on y reviendra, c'est l'aspect statistique. Donc, prenons déjà ce premier sujet. Il me semble que, par exemple, la position de la bonne foi ou la place de la bonne foi, c'est par excellence le sujet sur lequel votre question va prendre toute sa valeur. À nouveau, ça n'est pas du tout le sujet de ma recherche, et je me garderai bien de faire des interprétations, mais on peut imaginer. Alors, ce qui est un sujet qui ressort de ma recherche très clairement, et ça de manière systématique dans les trois droits, on va dire au moins dans les deux systèmes juridiques, et dans les trois situations, 1, 2 et 3. Alors je fais juste une parenthèse quand même pour qu'on parle bien de la même méthode. Les échantillons sont de 30 cas par situation. Donc on a 30 fois, on va dire, 7 situations, pas tout à fait 9. C'est-à-dire qu'il y a 3 situations qui sont l'une, les avant-contrats pour simplifier, c'est la situation 1, la deuxième situation
c'est la situation de préjudice moral pour les personnes morales, donc atteinte à la réputation. Et la troisième, c'est plus spécifiquement pour le droit américain, la règle du new business. C'est seulement cette situation 3 qui n'est détaillée que pour le droit américain, qui explique que au lieu d'avoir 3 fois 3, 9, on a en réalité 7 fois 30 cas, c'est-à-dire 210 cas qui sont exploités de manière quantitative. Alors, statistiquement, je ne me trompe pas beaucoup en disant que quand on a 30 cas qui sont homogènes... Là, vous ne répondez pas du tout à ma question. Non, mais je vais revenir. Là, vous répondez à une observation. Je vais revenir. Mais en fait, comme on a le temps illimité... Alors, ça, c'est peut-être une discussion qu'on pourra avoir... Sur l'analyse comportementale, ça n'est pas mon sujet. Je reconnais que c'est une prochaine étape intéressante. Il y a deux prochaines étapes intéressantes à cette recherche. C'est l'interprétation comportementale et l'analyse statistique. Mais est-ce que quand même savoir... Est-ce que finalement, dans l'évaluation, de l'indemnisation, savoir quel est l'état d'esprit de la partie, ce n'est pas quelque chose qui est utile ? Indispensable pour l'interprétation du résultat. Mmh. Et c'est d'ailleurs une analyse que l'on fait derrière quand on parle de corrélation. C'est-à-dire, par exemple, je reprends l'exemple de la bonne foi, on a noté que l'un dans l'autre, c'est une fois sur deux... la bonne mauvaise foi qui explique l'écart par rapport à la moyenne. Donc là, on revient carrément dans le centre du sujet. On a des normes qui se détachent, des normes moyennes qui se détachent sur la probabilité. Parce que qui serait le plus, mais qui serait le plus à même justement pour apprécier cette foi, pour apprécier l'état d'esprit des parties, pour comprendre véritablement ce qui s'est passé. Je me demande, est-ce que finalement le rôle du juge et le pouvoir, la marge de latitude qui est laissée au juge n'est pas utile, ça. Je ne conteste pas ça. Je conteste pas ça, mais ça n'entre pas en conflit avec ma recommandation essentielle de mettre les méthodes également dans le domaine du droit. D'ailleurs, j'ai même une recommandation que je donne plutôt à la fin, qui est d'avoir une formation aussi, pas simplement sur les aspects juridiques, mais sur les aspects psychologiques. Donc je vais tout à fait dans votre sens, mais je dis que c'est simplement... une prochaine étape, et ça n'est pas le sujet essentiel de la thèse. Je comprends aussi, donc il s'agit, et je crois que vous avez vraiment clarifié votre pensée en répondant à cette question et peut-être à une question précédente, qu'il s'agit vraiment de guider le juge, hein, c'est vraiment, parce que moi aussi je m'étais dit, mais finalement barème, ça devrait être dans le titre, et non, finalement votre idée, c'est plutôt guider le juge pour savoir comment réagir et comment interagir peut-être avec les experts. Oui. Hein, et en cela, alors vous n'allez pas aussi loin que Posner, donc si, parce que Posner, lui, pense carrément qu'on peut, dans un jugement au moins, dit finalement, en droit comparé, j'ai pas besoin que des experts de droit comparé viennent me voir, il suffit que j'ai les informations, je peux lire les manuels, je peux tout comprendre moi-même. Mm-hmm. Donc j'imagine qu'en manière économique, s'il est formé comme économiste, il le pourrait aussi. Donc éclairez-moi, votre proposition, elle va jusqu'à éliminer les experts ? Pas du tout. Alors, pas du tout. Je ne sais pas si vous aviez peut-être à compléter la question. Non. Alors, pas du tout, et je l'écris. Si on en revient au barème, qui est effectivement pas dans le titre, vous l'avez noté, c'est une méthode qui me semble tout à fait adaptée pour 80% des cas, c'est-à-dire tous ceux pour lesquels déjà l'évaluation et l'indemnisation est difficilement quantifiable, parce que l'information manque, ou surtout, c'est beaucoup plus souvent d'ailleurs le cas, parce que le coût de collecter cette information est sans proportion avec l'enjeu économique. Les experts sont toujours utiles, mais on ne peut se les permettre que quand l'enjeu économique est important, parce que sinon, on va dépenser plus en expertise qu'en indemnisation. Mais ça représente une très petite proportion des cas où il y a véritablement des experts économiques, les cas sur lesquels l'enjeu est suffisamment important. Donc dans tous ces autres cas, où on a toujours un problème de quantification, il n'y a pas de raison d'avoir une justice du pauvre, c'est-à-dire que 80% des cas ne méritent peut-être pas d'investir dans des experts, mais ils méritent une bonne justice quand même. Avant contrat, c'est une des situations que vous prenez, et pourtant dans votre titre, c'est inexécution contractuelle. Alors est-ce que les avant-contrats, est-ce que la rupture des négociations rentre dans le sujet que vous vous êtes donné ? Tout à fait. Alors là, je dois avouer une faiblesse parce que là, on y a réfléchi d'ailleurs avec le professeur Bersonnière. Est-ce qu'on mettait dans le titre précisément ce que l'on appelait avant-contrat ? En réalité, ce n'est pas tout à fait avant-contrat, puisqu'il y a au moins deux situations différentes. Les
des ruptures, on va dire, abusives pour parler, où il n'y a a priori pas de contrat, mais aussi la rupture de contrat qui sont les agreement to agree ou agreement to negotiate. Donc là, c'est vraiment des contrats qui ont été signés. Je prends l'ensemble. Mais quand il n'y a pas de contrat, donc vous citez l'arrêt Manoukian par exemple, la responsabilité, est-ce une responsabilité contractuelle ? Et c'est au juge de l'apprécier. S'il considère que la discussion a été suffisamment avancée, que les avant-contrats sont suffisamment rédigés avec les éléments essentiels, en réalité, il y a contrat, même s'il n'y a pas eu formellement de signature, eh bien, il considérera que là, l'indemnisation est due. Ça, c'est vraiment important, hein, parce que bien si sûr. On parle d'inexécution, c'est bien, sur le droit français, en plus, il y a cette distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle. Peut-être un dernier point qui permettra de conclure sur cette méthode statistique que vous proposiez de répondre auparavant. Au point 1237, vous mentionnez donc la corrélation que vous trouvez sur le plan statistique, tout en mentionnant qu'elle n'est pas nécessairement statistiquement significative. Et vous en tirez, me semble-t-il, à la phrase d'après, les conclusions qui sont plutôt de l'ordre de la causalité. Alors, on sait bien que dans les travaux empiriques, il y a toujours ce risque des choses qui arrivent de manière concomitante ne sont pas nécessairement cause l'une de l'autre ou conséquence l'une de l'autre. Alors, est-ce que c'est un point sur lequel vous avez été vigilant ? Est-ce que c'est quelque chose... Voilà, est-ce que vous avez écrit ces phrases en toute conscience ? Alors, je lis la phrase. Il existe une corrélation positive entre, claire, entre la sophistication de la méthodologie utilisée par le demandeur et l'issue positive de l'affaire pour ce demandeur. Et j'en tire effectivement une recommandation, et je suis assez confortable là-dessus, on va y revenir, qui est l'évidence en réalité, c'est de dire qu'il est quand même recommandé d'avoir une méthode un peu élaborée quand on veut faire prévaloir son droit, notamment si l'enjeu est important. Alors si ce n'est que peut-être qu'on aurait pu rédiger cette phrase, plutôt que de dire la sophistication a un impact, oui. Ce qui est l'expression de cause-conséquence. Oui. Donc voilà, cela nous laisse à penser, parce que c'est votre interprétation. Oui, oui. La seconde phrase, c'est l'interprétation de la corrélation que vous avez trouvée. Mais on n'a pas démontré. Quelle est la phrase Il me semble qu'on n'a pas démontré la causalité. Quelle est la phrase qui vous choque comme ça? La phrase qui vient après. La sophistication a logiquement un impact positif sur la probabilité. On remarque les deux éléments, mais on n'a pas. Je veux dire que juste un point de vue purement scientifique, oui, voilà, oui. ça n'a pas été démontré. Mais il me semble que vous avez les éléments pour le démontrer. Je l'ai démontré en réalité, mais franchement, je n'ai pas voulu mettre d'équation. Ouais. Mais sans équation, en fait, ce qui aurait pu être intéressant, me semble-t-il, c'est que dans les annexes, les graphes que vous avez donnés, c'est des graphes essentiellement descriptifs. Oui. Or, avec les données que vous avez, vous auriez pu faire des croisements. Et ce qui aurait été particulièrement pertinent, c'est de croiser les données de droit français, de droit américain et les autres que vous avez. Et là, vous auriez pu, me semble-t-il, démontrer... Je l'ai fait, mais je ne l'ai même pas mis dans les annexes. Permettez-moi d'en garder un petit peu sous les pieds. Vous avez tout à fait raison. La phrase peut être un petit peu abusive quand j'ai mis « logiquement ». C'est-à-dire que ce n'est pas choquant pour le bon sens d'avoir une causalité. Il aurait fallu une note de votre interprétation. Oui, vous avez raison. Et cela dit, je suis tout à fait confortable là-dessus, c'est-à-dire que derrière l'analyse de corrélation avec les groupes de contrôle, dans les trois droits, dans les trois situations, c'est totalement homogène. Totalement homogène, il n'y a aucune différence et je suis absolument. Peut-être qu'une note de bas de page là aurait rendu le lecteur plus confortable. En réalité, ce que vous m'invitez à faire, c'est à mettre dans mon sujet de thèse et dans mes 600 pages. Une autre centaine de pages que j'ai rédigées, mais que je n'ai pas souhaité indiquer là-dedans. C'est vraiment ce que vous m'invitez à faire, mais peut-être qu'on le fera une prochaine fois. And Frank, it's a pleasure. It's a pleasure to discuss in this context your work. I was granted one privilege kept up with most of what was said, but if there was a topic that was intriguing and I wanted an English translation that I might ask for. And so I may ask for, just on this last question, this last exchange that you and Randy have had between about causality and correlation, if we have time for that. But first, I'd like to, there are two things that I want to focus on.
I have one empirical comment question and one theoretical question for you. But first, in setting that ground, I have to sort of just reiterate, or maybe just describe briefly for the audience how exceptional this work is. I really do have to congratulate you. In my view, it would have been enough for you to focus on one topic, breach of an agreement to agree, a reputational harm, or the new business rule. It would have been enough to focus on one topic, and from one perspective, a legal perspective, and even in one jurisdiction. But you've given us three topics that are typically not discussed. You're doing it from a legal and an economic perspective, a theoretical and an empirical perspective across three jurisdictions. That's exceptional. It's uncommon. And I really do think both that you took on such a daunting task and the degree to which you were successful at bringing out answers really has to be acknowledged. For me, two things come out of this, and this is the basis of my question. You know, focusing on these broad aspects of direct versus indirect, foreseeability, of course, these are all elements on which we can see across the different jurisdictions how damage calculations might be calculated. And of course, we start off with the most general, the make-whole aim of expectation damages, and then we see the imposed limitations on that. Again, the foreseeability, the certainty, and such. In a way, there were sort of lower-hanging fruits that you might have plucked, for instance. Across these jurisdictions, they all have different rules about the interest rates that are paid on damages. And even just doing that would have been in the U.S., for instance, you know the difference between compound interest versus simple interest is still not uniform. So there's comparative work to be done in those domains, as well as the time and place, judge award versus jury, and if it's jury, the jury instructions. These are sort of very tangible, available metrics that you could throw in and just compare. Again, what I found is impressive in your work is how daunting you went for the bigger, the higher hanging fruit. And in that regard, I want to ask you a question about comparative work. Now, comparative legal work generally. In a way, doing the kind of empirical aspect or the empirical approach that you employ, you are dealing with a selection bias, of course, and in a way you're also dealing with a double selection bias. There is the natural, the usual selection bias, the Priest-Klein form of when the data that you are looking at just happens to be what's presented. All of the omitted cases are avoided. And then, so you are suffering a selection bias within each jurisdiction. You're also suffering a selection bias across the across any two comparative jurisdictions. So there's this double. And I don't believe I've ever thought about comparative work in this kind of statistical double selection bias characteristic. And what's intriguing is that it's always present. It's present anytime anyone does comparative work. One of the truly unexpected payoffs of the dissertation, it seems to me, is the possibility of what you've attempted to give us in this empirical project, how that might actually, what that can tell us about comparative work more broadly. That you might actually be able to deploy these very methods that you use to control for selection bias
in coming up with your sample and in your comparison to how someone doing comparative constitutional law, comparative public law. I would invite you to say a little bit more about what your thoughts are on this issue, among other sort of methodological challenges that had to be dealt with in this approach, how that might be deployed more broadly to law. On the theoretical question that I wanted to invite you to discuss, and this one takes off also the comment that Genevieve mentioned concerning for whom are you writing this piece, for the good man or the bad man? The device introduced by Mayo Dan Cohen, this notion of an acoustic separation between decision rules and conduct rules. The conduct rules being the law's statement of how people ought to behave, and the decision rules being the consequences, what happens if you don't follow the proper conduct rules. One of the ways, and of course, Mayor Dan Cohen is applying this to criminal law, but one of the ways he imagines the bad man, or he talks about the bad man, is this person doesn't care about the proper conduct of law, only looks to the consequences and the decisions, and rationally chooses what to do. One of the ways you might undermine the bad man is by making it unclear what the decision rules are. This is kind of using uncertainty as generating a kind of acoustic separation so the bad man can't rationally determine what's in store. So now, maybe another way of phrasing Genevieve's question, by providing clarity to the law. I think there are many answers to this. I've just invited you to discuss this. Do you think this, what you're describing is something for, and when we say bad man, we don't really mean bad man, not in the criminal sense. Are you providing something for the rational businessman who simply is thinking about an economic profit maximizing structure? Are you providing content for the good man? And do you see any difference across the jurisdictions, particularly between France and the U.S.? There's this line that Richard Posner has, and he says, the way you know that you can describe the difference between French law and U.S. law is that the French law comes from canon law. This is Posner. And the law written by priests would be different than law written by businessmen, even contract law, which comes, he says, from the lex mercantoria. So again, just an invitation for you to discuss either of those, and if you can clarify a little bit the final conclusion that you and Genevieve have reached concerning causality, that'd be interesting. Wow. Okay, so these are very, very fundamental questions, and I try to answer first the theoretical one. Again, I don't think I have ever asked myself the question in the dissertation, but it's worth trying it. If I understand well what you say, and it makes sense if I refer to my experience, the less clear is the law, the better it is for the good man, or the worse it is for the bad man. And that makes very good sense. It's actually one of the reasons why I actually started this research, because I explained my personal experience and wanted to have a little bit more. It was clearly a bad man. He was also a lawyer himself, not only a businessman, but also a lawyer. A lawyer and accountant, so very, very intelligent. And he knew by fact that being of bad faith, but of course not showing it, would not be very harmful for him. And he would not have to pay much to the other party, to the aggrieved party.
So again, I didn't ask myself the question theoretically, but it makes perfect sense. So now you are putting a shade on my work, because eventually it may help better the bad man than the good man. And here I'm feeling really bad myself. But you may be right, actually. You may be right. My belief, maybe it's too rational, is that overall, when you make decisions more predictable, clearer, understandable, you will eventually improve the overall efficiency, because the rules are clear for everybody, and not only the bad man would have, you know, some information. But you may be right. In the short term, it may be a problem. I wasn't even proposing it as a right or wrong, just a way of seeing some of the results. And you know, there are other things that matter about knowing what the sanctions are, just due process and knowing what laws you're subject to, that good men would need to know. So I was not a judgment on. Yeah, no. I mean, it's a very interesting discussion. Let's take even the example of a bad man knowing that, you know, what the risk he is taking, he or she, by the way, because, you know, it's not a reason. Bad is not always man, after all. This is just a joke. But let's take the he. No, okay, he knows that the risk is 100. And if it is predictable, the good man will know also. Eventually, you know, it will help them to settle. And that's not bad even for the bad man. It's good actually for the whole society. So, you know, there is a risk that in the midterm, bad man may enjoy a temporary relief. But eventually, I guess, it will be going into the good way, I would say. I don't know if that answers perfectly the theoretical question. Let's come back to the empirical one. Yes, you're right, there are two biases. So there is a traditional selection bias of Priest and Klein, 1984, the seminal article. So this is basically saying that when you select only litigated cases, of course they are not representative of all cases for many reasons, not going into the detail at the moment. So you have a selection bias. However, this bias has been elaborated and studied further, and the last article showing that it is not a reason to avoid conclusion from empirical basis is written by Urs Schweitzer, 2016, so very recent. And the conclusion of this article and some previous articles in 2004, so basically 20 years after Priest and Klein, we're saying that despite this selection bias, conclusions based on ratio, trends, not absolute values, are still valid to give recommendations, or basically to drive any positive actions. So I'm based on this recent research to still go into conclusions of empirical analysis. Now you have a second bias, you're right, because we are doing comparative analysis and we are not sure, actually we are sure of the contrary, that the samples are similar, let's say in France and in the US, just to take those two. We know, even though I don't think there was never any empirical analysis because it's not easy to do it, we know that settlements are probably in proportion higher in the US than in France. I mean, just a reasoning, because, you know, the fees for litigation are so high in the US, people would, or parties would try to settle more than in France. Let's take this assumption, okay? So then we have a second selection bias now, because we are not taking the same type of sample in France and in the US. But again, if we look at the trends, not of the snapshot, but just like we are taking a video, and the things are very clear, the likelihood or the what I call the grant to claim ratio. So just to be clear, we are talking of two major
measures the probability of getting any grant at all, and then when you get a grant, what percentage of your claim is actually granted by the judge or the jury. We see a very, very clear trend in the US towards declining trends of those figures and towards increasing trends in France. And those two actually converging trends, just maybe by chance, it's not actually a chance because we have done some analysis further, goes to very, very similar results. So the average rate for probability is between 40 and 50%, and the average rate for grant-to-claim ratio is between 30 and 40%. So a combination of 15%. But this is an average which is becoming very consistent between the US and France. A little bit more, a little bit higher for international commercial law of the case that we had. But more interesting is the gap or the spread between cases compared to the average. And this is what I try to explain. One of the main reasons, it's very, very massive, is methodology. So we have those averages, but the very important spread according to the average are really the methodology. When the methodology is more sophisticated, everything being equal, you have better results. Okay, so now we can go further into causality or just correlation. We have other interesting trends, which is the more you claim, the less you get in grant to claim ratio. Of course, you can be granted more, but the grant to claim ratio is lower. Why is that? Maybe here we have a behavioral analysis we do, and we can have hypothesis first, which is, I think, quite obvious. When one party is claiming a higher quantum, the other party is also defending better on the lower quantum. So the sophistication of the methodology becomes also more important on the breaching party, let's say, the debtor. One reason. The second reason, which could be interesting, but it's just a hypothesis, and we see that very much in France, actually even in the US, a little bit less so, is maybe a moral appreciation. You are claiming too much. This is not reasonable. Myself, as a judge, I am not confident into giving so much for a claim. So there are many appreciations, but what I want to come back to the bias, when we see the trends of the US, which is like declining, I just described, here we can assume that the settlement rate of the US was more or less constant over time, or at least that it did not change significantly compared to the change that occurred in the settlement rate in France. So even though the samples are not comparable, their evolution have no reason to diverge. The difference is stable. This is my assumption. Maybe it's wrong, but it's basically my assumption. Well, I think that's the payoff in a way, right? That there's a way in which, had you just focused on one jurisdiction, you wouldn't be able to do a difference in difference, and you would be stuck with just whatever you got singly, and the potential bias that comes out of that selection. But doing the difference in difference, and this becomes the something extremely positive about comparative work. Thinking of it as differences in differences, as opposed to just thinking of it, comparative work as just an absolute calculation and what's going on in this country versus an absolute. If you can come up with the ratios effectively, I just think that among the number of things that immediately and directly come out of the dissertation, this I think is one of the most intriguing things that's completely implied by the work. You don't sell it as what you're doing, but it's clear that this is why it works. This is why it's valid. Vous l'avez bien expliqué. Ce n'est pas tant de développer des barèmes d'indemnisation référencés qui vous intéressent. Ce serait plutôt de dire
il faut mieux indemniser le préjudice et il faut plus de sécurité. Mm-hmm. Et il faudrait que la Cour de cassation change un petit peu d'attitude, plutôt que de dire c'est une question de fait, les juges du fond ont toute liberté, ils ne contrôlent pas. Là, je crois ne pas trop déformer votre pensée quand vous dites ça. Et j'étais un petit peu étonnée de ce fait que vous ne rentriez pas dans des... Enfin, vous l'avez fait un peu, mais plus de manière plus approfondie, dans des très grands débats où la doctrine américaine est intéressante, qui ont été notamment abordés par Yves-Marie Lettier. J'en prends un, par exemple. Est-ce que, comme en France et comme dans les systèmes civilistes, vous pensez qu'il faille mettre en avant l'exécution forcée comme première sanction et lier cela à l'idée que c'est la meilleure façon de sanctionner l'inexécution parce que nous attachons force obligatoire du contrat à exécution forcée. Est-ce qu'il faut faire ce lien systématique entre les deux? C'est une question que vous avez abordée. C'est d'ailleurs un débat qu'on peut avoir, que vous pouvez avoir entre membres du jury, puisque je crois que le professeur Béringer a écrit récemment dans votre revue d'ailleurs de législation comparée un très bon article là-dessus. Alors, imaginez-vous que le premier sujet que j'avais proposé au professeur Barrière-Sommière, c'était à peu près celui-là. Force obligatoire et indemnisation. En gros, celui que vous évoquez dans votre pré-rapport. Et je me suis rendu compte, mais je dois avouer mes limites, que beaucoup de choses avaient été écrites et qu'il serait très prétentieux de ma part de vouloir apporter grand-chose. Et donc, au bout d'un an, j'ai réorienté mon sujet sur celui qui nous amène aujourd'hui. Donc, et sur lequel je me sens beaucoup plus légitime. Donc on le retrouve en filigrane. Oui, bien sûr, on le retrouve. Et en même temps, j'ai l'honnêteté de dire que ça n'est plus mon sujet. Donc je l'aborde effectivement de manière peut-être plus allusive et peut-être frustrante pour vous. Et je suis prêt à en discuter aujourd'hui. Mais je reviendrai quand même à mon sujet. Si on parle de la réforme, par exemple, les impacts sont significatifs sur la force obligatoire. Vous avez raison de le mentionner. Expliquez-moi ce que vous voulez dire. Alors, moi j'ai noté deux choses importantes dans la réforme qui tentent à anonymiser ou en tout cas relativiser la place de la force obligatoire par rapport aux autres sanctions de l'inexécution. C'est l'article 1195, donc l'article sur l'imprévision, qui est directement inspiré de l'article 6.2.3 des principes unidroits. Et l'article 1221 et 1222 qui finalement obligent les parties lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et le bénéfice pour le créancier, obligent les parties à se rencontrer à nouveau pour éventuellement... Alors, je vous arrête là, oui. Reprenons. 1195, ça traite de quel sujet? Vous y avez... C'est l'imprévision. C'est l'imprévision. Mais qu'est-ce que c'est l'imprévision? Alors l'imprévision, c'est la survenance d'un événement que l'on n'avait pas pu prévoir, je crois que ça a été abordé dans un précédent dialogue, au moment de la signature du contrat. Et c'est particulièrement important sur les contrats à exécution successive. Donc dans ces cas-là, il est indiqué clairement que la force, enfin en tout cas l'exécution forcée n'est plus tout à fait privilégiée. Et on ne comprend pas là. Donc, en fait, on est bien d'accord, il y a des changements de circonstances qui n'ont pas été prévus lors de la conclusion du contrat. Mmh. Et là, après, l'exécution forcée n'est plus privilégiée. Eh bien, dans la mesure où le débiteur n'a pas accepté d'assumer le risque, hein, puisqu'on est dans la prévision, celle-ci, donc le créancier, peut demander une renégociation du contrat à son co-contractant. Donc, on n'est bien pas vraiment dans l'exécution en nature. Puisqu'on est en train de renégocier le contrat, qu'on change les termes du contrat. Et ensuite, d'ailleurs, c'est assez bien détaillé, c'est inspiré de manière plus précise d'ailleurs que l'article 7.2.2 des principes unidroits. Et je lis, en cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, donc là c'est carrément, on arrête tout, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin à la date et aux conditions qu'il fixe. Donc tout est bien détaillé. Et cet article-là, comme l'article 1221 et 1222, finalement relativise la force obligatoire du contrat parce que l'exécution forcée est maintenant mise en balance avec
l'efficacité économique. C'est quand même intéressant. Prise. Moi, je ne partage pas votre analyse. Vous pensez que c'est, ça renforce l'exécution forcée? Ça renforce la force obligatoire, en tout cas? Je ne pense pas qu'il faille le voir comme ça. Mm-hmm. On est face à un changement de circonstances assez radical, hein, pas n'importe lequel. Et en fait, ce que dit le texte avant, et la première chose que dit le texte, c'est que les parties doivent d'abord renégocier. Oui. Or, c'est précisément parce que les parties doivent rester dans leur contrat. Alors, on peut dire, si elles renégocient, c'est plus la force obligatoire du contrat. Mais si on leur dit, vous avez une relation contractuelle, débrouillez-vous ensemble, mettez-vous d'accord. On ne peut pas dire que ça porte atteinte à la force obligatoire du contrat. Ce qui porte atteinte à la force obligatoire du contrat, c'est ce que vous avez lu après, le pouvoir du juge de réviser ou d'adapter le contrat. Mais il n'est donné que de manière extrêmement parcimonieuse. On demande d'abord que les parties se mettent d'accord. Ensuite, une des parties peut saisir le juge uniquement pour certaines choses. Donc, on a beaucoup encadré les choses et surtout, ce n'est que dans un cas très limité. Donc, je ne prendrai pas l'article, et j'étais étonnée tout à l'heure, c'est pour ça que je reviens dessus, 1195 comme un exemple. Alors, passons maintenant à l'article 1220, vous avez dit 1220 et 1221. 1221 et 1222, oui. Et là, ce qui pour vous caractérise l'atteinte à la force obligatoire, c'est... Eh bien, c'est pas une atteinte négative, hein, dans mon acception. C'est positif. Hein. Donc je lis l'article, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. C'est pas une... Alors, vous n'avez pas la version de 2018. Ah bon, quelle est la version de 2018 alors? C'est celle qui est sur Légifrance. Oui, mais c'est celle de 2016. Ok, donc... Il y a eu une petite modification du texte. Et alors, c'est sur quoi? Elle porte sur quoi, cette modification? Sur... dans la limite où c'est important pour le créancier. Enfin, vous regarderez, je n'ai pas le texte exact en tête, mais vous verrez, il y a un petit changement. Mais pourquoi c'est une atteinte à la force obligatoire du contrat, ça? Parce que ça met en balance l'exécution forcée avec l'intérêt économique. Ouais. Et donc, ça relativise... Une sanction qui était considérée comme pratiquement la règle par défaut jusqu'alors, elle est considérée pratiquement au même niveau, pas tout à fait, mais pratiquement au même niveau de l'exécution par équivalent. Votre explication, c'est l'explication, je dirais, orthodoxe, classique de la doctrine civiliste française. Bien. D'accord. C'est la première fois qu'on vérifie l'orthodoxe. Oui, 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 mais matière. Ça ne va pas durer longtemps. maintenant, revenons à votre sujet. Assurer une bonne indemnisation. Est-ce que vous pensez que c'est en, disons, l'exécution forcée est vraiment le principe et on y déroge peu, mais là on accepte un petit peu, mais on y déroge le moins souvent possible, que c'est comme ça qu'on va assurer la meilleure indemnisation? Non, je ne suis pas du tout de cet avis et je vous rejoins dans ce que vous indiquez dans votre rapport, donc je cite votre phrase, je crois, en disant que la menace de l'exécution forcée, c'est peut-être une très bonne manière de faire réfléchir le débiteur avant de rompre son contrat parce qu'il peut être soumis effectivement par la pression du juge. Mais et je suis moi plutôt de cet avis-là, sauf que c'est pas unilatéral, c'est dans les deux sens. Il peut y avoir des cas où le créancier a absolument pas envie d'exécution forcée. Faire affaire avec quelqu'un qui a manqué à sa parole une fois, deux fois, franchement, on a plutôt envie d'aller au dommage d'intérêt, même en tant que créancier. Et d'ailleurs, donc ça peut jouer dans les deux sens. Je suis plutôt, en revanche, resté sur ma fin, c'est peut-être ça que je n'ai pas pu expliquer suffisamment, sur la partie indemnisation, et là on rentre vraiment dans le cœur de ma thèse, dans la réforme des contrats. Parce que tous les avant-projets, toutes les recommandations, et même d'ailleurs les principes unidroits, les principes unidroits y faisaient référence, les principes européens du droit des contrats... Vous l'avez déjà dit, et effectivement, n'oubliez pas que tout le volet... responsabilité n'a oui, pas été il est codifié. Encore en discussion. Pas, non, voilà. Mais vous voyez, je vous ai vu avec beaucoup d'intérêt. Vraiment, je renouvelle mes compliments. D'abord parce que dans votre situation, en travaillant avec le parcours que vous avez eu, c'était un défi, vous l'avez relevé, vous êtes allé jusqu'au bout. Votre directeur de thèse en a parlé. Et puis vous êtes attaqué quand même à un gros sujet. Et les thèses de droit comparé, c'est toujours difficile, et vous avez réussi à mener à bien ce sujet, même si j'ai
émis quelques critiques hein, sur la maîtrise du droit civil français. Je pense que vous avez quand même réalisé un travail d'une grande ampleur et d'un intérêt certain. Merci, Madame la Présidente. Nous allons vous demander de quitter la salle. Délibéré. Le jury vous décerne le grade de docteur en droit de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne avec la mention très honorable. De présider le jury, madame, le professeur, et tous les membres du jury d'être venus parfois de loin, spécialement pour ce jury. Et j'ai beaucoup appris pendant 6 ans. J'ai aussi été obligé de désapprendre, mais j'ai appris pendant la soutenance. Et comme je vous disais, c'était comme mon premier examen. C'est pas un examen, mais comme si c'était mon premier examen. Merci beaucoup. Bravo. Bravo.